Curieux de Doc, c'est votre émission médicale, c'est sur Tandem TV. Et c'est toujours avec le docteur Herbstein et Aurore en plateau. Bonsoir Aurore. Bonsoir, bonsoir docteur Herbstein. Bonsoir docteur Herbstein. Bonsoir à tous. On va continuer sur notre lancée du mois dernier puisque nous avons parlé la dernière fois de sémiologie. Je rappelle que la sémiologie, c'est l'étude des symptômes. Et nous avions abordé avec Aurore et le docteur Herbstein quelques symptômes. On vous rappelle, on a parlé de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de maux de tête. On a développé tout ça. Quand est-ce qu'il fallait consulter en urgence? Quand on pouvait se permettre d'aller voir son médecin généraliste? Si vous avez loupé l'émission, je vous suggère de la revoir sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous propose de continuer sur notre lancée et, Aurore, de piocher un des abaissements que je rappelle pour nos téléspectateurs que un sujet est caché derrière chaque abaissement qui va être tiré au hasard. Je t'en prie, Aurore. Les maux de ventre. Bien, ça tombe bien, les maux de ventre, on a parlé des douleurs dans la poitrine, des douleurs à la tête, on descend un peu plus bas. Est-ce que les maux de ventre, docteur Herbstein, c'est un motif fréquent de consultation? Et puis je vais enchaîner c'est tout de suite sur... C'est le motif. C'est le motif, comme vous dites. Le motif. Et je vais enchaîner directement donc sur une autre question. Vous nous direz, qu'est-ce qui doit nous inquiéter quand on a mal au ventre, surtout si c'est the motif? Alors déjà, il faut savoir, on va scinder un peu entre les hommes et les enfants, les hommes et les femmes, et les ados et les personnes un peu plus âgées. Alors déjà, les maux de ventre chez un enfant, alors ça c'est vraiment le motif le plus fréquent, j'ai mal au ventre. Alors vous montrez, j'ai mal au ventre, où? Ben, ils montrent le nombril, j'ai mal là. Donc alors c'est un peu compliqué, 9 fois sur 10, mais sincèrement 9 fois sur 10, c'est pas le pédiatre, j'espère, ne va pas me contredire, c'est pas grand chose, c'est souvent... des problèmes d'un peu de transit intestinal parce que ce sont des enfants qui mangent pas assez de fruits, pas assez de légumes, donc qui sont un peu constipés. Ça peut être également ce qu'on appelle une adénolymphite mésentérique. Alors c'est un terme un peu savant qui dit simplement que quand on a une infection virale, les gamins qui ont des virus, ils peuvent avoir des ganglions au niveau des chaînes ganglionnaires cervicales, mais ils peuvent avoir aussi des ganglions dans le ventre qui leur fait un peu mal. C'est pas très méchant. Maintenant, après, on peut avoir des mauvaises surprises parfois. Moi, j'ai eu quand même des cancers du rein, des trucs comme ça. Il faut quand même prendre un peu un enfant au sérieux. Il faut lui palper le ventre avec prudence. Il faut pas lui faire mal. Il faut faire attention. Mais franchement, très souvent, c'est pas grand-chose. Et c'est surtout la psychologie parentale. On essaie de rassurer les parents en disant « Bon, c'est pas très méchant, ce genre de truc. » À partir du moment où on regarde qu'il n'y a pas d'hernie, enfin bon, on élimine un petit peu les pathologies qu'on peut rencontrer chez un enfant. Très souvent, c'est pas grand-chose. Maintenant, quand on arrive chez le pédiatre ne va pas vous contredire, docteur Herbstein. Je vais juste préciser un tout petit peu sur l'adénite mésentérique, donc des fameux ganglions qu'on trouve dans le ventre. C'est un diagnostic qui est très très difficile à établir en consultation et qui mène très souvent à l'hospitalisation parce que ça peut simuler une appendicite et l'appendicite n'est pas toujours non plus un diagnostic qui est facilement posable, et on est déjà arrivé à des cas où on est arrivé à l'opération d'une appendicite qui s'est avérée être au final qu'une adénite mésentérique, c'est à savoir donc, comme vous l'avez dit, des ganglions dans le ventre. Dans le ventre, oui. Alors, un autre truc aussi dont je vais parler, parce que justement, ça touche un peu le bassin méditerranéen, c'est la maladie périodique, la fièvre méditerranéenne, qui peut se manifester également par des maux de ventre, et le nombre de gamins à qui on a opéré les abdapins d'une apadoche, alors que tout compte fait, c'est simplement une fièvre méditerranéenne, mais là, il y a aussi tout un contexte particulier, avec des fièvres qui sont récurrentes, des boutons, enfin bon. Néanmoins, il faut toujours garder ça un petit peu en ligne de mire. C'est quand même aussi beaucoup, beaucoup plus rare. Comment on distingue un mal de ventre, j'ai envie de vous dire, classique, avec un mal de ventre un peu plus important, comme par exemple un mal de ventre qui proviendrait peut-être d'une intolérance? On entend de plus en plus des intolérances au gluten, au lait, des choses comme ça. Alors moi, franchement, parce que j'ai pu lire dans la littérature et par expérience, c'est beaucoup de conneries, ça. C'est-à-dire que les parents se focalisent sur les intolérances au lactose, les intolérances au gluten. Bon, la vraie intolérance au gluten, la maladie cœliaque, c'est comme des enfants qui ne grandissent pas, qui perdent du poids, qui ont la diarrhée, enfin bon, qui sont un peu anémiques aussi. C'est quand même des choses auxquelles on pense dans un contexte très particulier. Mais moi, les intolérances au lactose, bon, j'ai beaucoup de mamans qui pensent que c'est ça. Alors elles disent, quand je donne du lait, il a mal au ventre, mais quand je donne du fromage, il n'a pas mal au ventre. Bon, enfin, qu'on m'explique un peu la différence. Alors, c'est des gamins qui boivent du lait de riz, enfin bon, il y a un petit peu tout et n'importe quoi là-dedans.
D'accord. Parce que pour les intolérances au lactose, il y a des tests quand même qui sont à faire. On peut faire des tests qui sont un peu compliqués pour pouvoir assurer le diagnostic. Mais moi, franchement, j'en ai pas vu beaucoup d'intolérances au lactose, si ce n'est dans les fantasmes des mamans. Hein. Alors, Maintenant. je vais résumer, docteur Epstein, la partie pédiatrique, puisque vous aviez dès le début un petit peu catégorisé les différents types de populations ayant des maux de ventre. Chez l'enfant, l'important, c'est d'exclure surtout une douleur au ventre, une douleur abdominale d'origine chirurgicale, et donc principalement l'appendicite. Si un parent s'inquiète de ce qui pourrait éventuellement être une appendicite chez son enfant, un des signes qui pourrait alerter les parents, c'est si l'enfant qui a mal au ventre, et vous l'avez très bien dit au début de cette émission, c'est un diagnostic extrêmement fréquent, mais le point qui devrait inquiéter les parents, c'est si l'enfant qui a mal au ventre boite en marchant. Un enfant qui se tient le ventre et qui boite, c'est peut-être pas directement une appendicite, mais c'est très suspect. Tout le reste, je pense, en tant que pédiatre, qu'on peut se permettre d'aller consulter le pédiatre qui va lui un petit peu aiguiller. Et c'est vrai qu'on peut partir dans toutes les directions, que ce soit un problème de transit, un problème d'intolérance au gluten, ce qui correspond statistiquement à peu près quand même à 1% de la population pédiatrique. L'intolérance au lactose, c'est vrai que c'est extrêmement discuté, vous l'avez dit, mais en tout cas, je reviens encore sur ce point, le diagnostic vraiment à exclure, c'est le diagnostic de douleur d'origine chirurgicale, à savoir l'appendicite. Je vous laisse Il y poursuivre. a voilà, un dernier diagnostic auquel il faut penser, et je ne pense pas que vous allez me contredire, c'est la méningite, hein, où on peut avoir des douleurs abdominales. Moi, j'ai eu ça quand j'étais interne, avec, bah, c'était une méningite spectaculaire avec du purpura. Enfin bon, voilà, c'était un gamin qui est opéré de l'appendicite, alors que c'était une méningite. Donc ça aussi, il faut un peu se méfier. Bon, maintenant, on vaccine contre les méningites. C'est comme, moi, ça fait des années que j'ai plus vu de méningite. Hein. C'est comme les péritonites, ce genre de choses. Maintenant, on n'en voit quasiment plus. Dieu merci, évidemment. Maintenant, on va monter un peu en âge. On va arriver à l'ado. Alors, le premier diagnostic auquel on pense chez un ado qui a mal au ventre, bah, c'est la PADOCH, c'est l'appendicite aiguë. Alors, c'est aussi pareil, c'est un diagnostic qui est très compliqué, mais qui néanmoins répond à des symptômes qui sont quand même assez bien cadrés. C'est un réveil nocturne, un petit fébricule autour de 38 de température, parfois de la fièvre, parfois des vomissements, pardon. Et puis surtout, il y a un truc qui est important, c'est regarder la langue. Dès lors que la langue est chargée, donc couverte d'un enduit blanchâtre, vous pouvez être sûr qu'il se passe quelque chose dans la tripe. C'est ce qu'on appelle une langue saburale. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'appendicite. Et puis après, bon, bah, c'est le médecin qui va un peu discriminer ça en palpant le ventre, en cherchant certains signes cliniques, notamment une défense abdominale. Et au moindre doute, il faut l'hospitaliser pour éventuellement soit le mettre en surveillance. Parce que nous, en France, maintenant, on n'opère quasiment plus les appendicites. Hein. On les traite par antibiotiques parce En qu'on Israël s'est rendu aussi, compte à peu près 80% des antibiotiques, des appendicites sont pris en charge sont traités par par antibio. antibiotiques, tout en sachant quand même qu'il y a un risque, je ne pense que je me trompe pas, d'à peu près 20 à 25% que malgré un premier traitement par antibiotique qui peut être efficace, l'appendicite peut se réveiller à nouveau et là on est parti pour une Absolument, intervention ouais. chirurgicale. On n'ouvre pas, on hésite beaucoup à ouvrir un ventre parce qu'on s'est rendu compte qu'avec du recul, dans 20, 30, 40 années, il peut y avoir des adhérences et c'est vraiment des gens qui ont tout le temps mal au bide et c'est quand même des situations qui sont un peu dramatiques. Et je Donc croyais ça, première chose, qu'on l'appendicite. n'ouvrait plus maintenant et qu'on faisait Par cœliaque, par bah oui, mais bon, parfois on peut pas faire autre... Mais même par cœliaque, il y a des adhérences qui peuvent survenir. Dès lors qu'on rentre un corps étranger dans le bide, à ce moment-là, il peut y avoir du tissu cicatriciel qui va se former et avec des complications qui peuvent survenir dans 10, 15, 20, 30 ans, notamment des occlusions, c'est-à-dire l'intestin qui va s'enrouler autour de la cicatrice. Et là, on rigole moins quand même. C'est le cas Donc, aussi chez des. l'ado, C'est aussi un risque quand les femmes elles font des césariennes, non? Ou pas du tout? on ouvre un ventre, c'est Ouais. pareil, hein. Non, non, je veux dire que on essaye d'éviter. Alors, c'est sûr que la cœliaque limite quand même fortement ce risque d'adhérence, mais ce qu'on appelle la laparotomie, c'est-à-dire que on ouvrait le ventre totalement, on évite au maximum. Hein. Parfois, il n'y a pas le choix, mais si jamais on peut éviter, on va l'éviter. Alors, les Maintenant, enfants, autre chose, les oui. ados, Alors, les ados. les Maintenant, je vais plus parler grands. des jeunes filles. Attends, les jeunes filles. La jeune fille qui vient d'avoir commence à avoir ses règles et qui a très mal au ventre au moment de ses règles. Diagnostic qu'il faut évoquer tout de suite, c'est l'endométriose, parce que c'est un diagnostic qui est sous-évalué,
sous-diagnostiquée et qui n'est pas très prise au sérieux, parce que dans l'esprit des gens, et même des jeunes filles, c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Or, stricto sensu, les règles ne doivent pas s'accompagner de symptômes douloureux. C'est pas possible. Enfin, disons que c'est pas normal. Donc, chez une jeune femme de 15-16 ans, qui commence, enfin 14-15 ans, qui commence à avoir ses premières règles et qui a donc, ce qu'on appelle les dysménorrhées, donc des douleurs abdominales très violentes et avec des malaises, parce que c'est des gamines qui, quelquefois, tombent dans les pommes, hein, tellement elles ont Oui. mal. Il faut certainement pas pas les prendre au sérieux. Il faut suspecter une endométriose. Alors, il y a des équipes qui font des IRM abdominales. Il faut pas aller n'importe où parce que c'est comme des équipes qui sont très au point pour rechercher les signes d'endométriose. Et le traitement, bon, après, on en discute, mais ça sera un contraceptif. Mais on a déjà fait une émission dans le passé sur l'endométriose. Quand on arrive un peu sur l'âge adulte, ben là, maintenant, on va arriver à parler un peu des calculs. C'est le type qui est un peu rond, qui est un bon vivant, qui est bien picolé, qui mange un peu gras et qui a une douleur abdominale. Alors, c'est toujours la nuit que ça survient, ce genre de truc. Ça ne peut pas arriver tranquillement à 2 h de l'après-midi. C'est au milieu de la nuit, donc ça, avec tout le côté un peu dramatique que revêt les urgences nocturnes, hein, quand on a mal au ventre la nuit, c'est toujours un peu particulier. Alors, ça s'accompagne de vomissements, souvent, d'une douleur abdominale. Alors là, on dit que la douleur de la colique hépatique, donc dans le foie, elle est pathétique. C'est-à-dire que les gens, ils sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes, on ne peut pas leur toucher le ventre. Alors je ne sais pas si vous avez lu Astérix, le bouclier Arverne, ou Abraracourcix a une crise de cholécystite, même une feuille qui lui tombe sur le ventre, il pousse des hurlements. C'est très, 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 très sensible. Ce sont des douleurs qui irradient souvent, soit en bretelles, soit en ceinture, qui peuvent, quand c'est quand même très compliqué, s'accompagner de température. On peut être un peu jaune également parce qu'on bloque complètement la bile qui reste bloquée dans la vésicule. Bah, pour ça aussi, il faut aller aux urgences. Hein. C'est le genre de choses généralement qui nécessitent un geste chirurgical. Soit on enlève la vésicule. Alors, cette fois maintenant, on les fait sous célioscopie. Ça se passe très bien et parfois même, s'il n'y a pas de complications, ça se fait en chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire vous rentrez le matin et vous êtes sorti le soir. Mais, docteur L'autre Hebsen, calcul qu'on peut. Oui. vous parlez de calcul, donc ce sont des petites pierres dans des canaux. Là, en particulier, on était au niveau hépatique, au niveau de la vésicule biliaire. Si un patient arrive en consultation en vous disant « Cette nuit, j'ai eu très très mal à cet endroit-là », c'est tout de suite pour vous une intervention chirurgicale Non. ou on peut Ah organiser non, 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 ça non. tranquillement? Alors, généralement, bon, alors, il ne faut pas la faire à chaud, hein. On préfère opérer à froid. Déjà, il faut faire une échographie pour s'assurer que dans la vésicule, il y a un calcul, pour commencer. Alors, il faut quand même un peu se méfier, parce que parfois, les calculs, ils ont les petits calculs, ils ont la mauvaise idée de sortir de la vésicule, et par un canal qui s'appelle le cholédoque, ils arrivent dans le pancréas, ça fait une pancréatite, et là aussi, on rigole moins. C'est quelque chose dont le pronostic vital peut être engagé. Donc, il ne faut pas non plus courir, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, mais on va voir le médecin. Le médecin va palper le ventre, va suspecter éventuellement une cholécystite, il va faire enfin, une inflammation de la vésicule, il va vous faire un bilan sanguin pour voir si votre foie n'est pas atteint, une échographie, et après, tranquillement, on peut programmer une intervention chirurgicale. Bon, les interventions chirurgicales en urgence pour une cholécystite, bon, ça ne se fait pas trop, quoi. On préfère refroidir les choses plutôt que commencer à aller ouvrir un ventre qui est un peu sensible. Là aussi, regardez la langue. Parce que la langue est souvent également saburale, donc cette langue chargée, couverte d'un enduit un peu blanchâtre, qui nous indique vraiment une origine digestive. L'autre calcul qu'on peut rencontrer, c'est au niveau du rein, c'est le calcul néphrétique. Alors autant la colique hépatique est pathétique, alors que la colique néphrétique est frénétique. C'est-à-dire que là, le mec, il saute sur lui, il saute, parce que ça fait quand même très très mal également. Alors ce sont des douleurs qui surviennent au niveau de la fosse iliaque, enfin au niveau du ventre, et elle irradie vers les organes génitaux. C'est le trajet de l'urètre hein, qui descend vers le bas. Parfois, le calcul est expulsé spontanément. Alors là, les mecs, ils morflent, hein, parce qu'il faut qu'ils descendent le long du canal, c'est pas très agréable. Puis après, il faut qu'ils passent dans tout ce qui est le tractus, enfin, c'est quand même pas très, très sympathique. Ça aussi, ça peut être une urgence à partir du moment où c'est hyperalgique, où il y a du sang, où il y a un risque de déchirure au niveau du canal, donc l'urètre qui mène au rein vers la vessie. Mais quand ce n'est pas vraiment quelque chose de spectaculaire, on peut injecter des antidouleurs, des antispasmodiques, et après, tranquillement, on prend le temps de les opérer. On peut même faire, vous savez, la baignoire, hein, on les met dans une baignoire,
et on envoie des ondes de choc pour fractionner complètement le calcul de manière à ce qu'il élimine par les voies naturelles. Donc ça, c'est vraiment les deux pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre. Maintenant, il y a, quand on arrive un peu plus âgé, par 40, 45 ans, il y a ce qu'on appelle les colopathies. Et ça, c'est le bazar. Parce que la colopathie, c'est souvent ce qu'on appelle des colons irritables. C'est des gens qui ont un côlon qui ne fonctionne pas correctement. Si vous découpez le côlon en petits morceaux et vous regardez au microscope, tout va bien. Si vous le remontez, ça ne marche plus. Et alors là, c'est, il y a plusieurs théories. On raconte que les gens de ma génération qui ont été bombardés d'antibiotiques quand ils étaient jeunes, ce qui n'est plus le cas de la génération actuelle, parce que maintenant, un enfant, il faut vraiment qu'il soit très, très atteint pour lui donner un antibiotique, ont eu des modifications du biotope intestinal. Vous savez que les intestins, on dit que c'est le deuxième cerveau, hein. C'est un endroit, un organe qui est très important. Donc, à ce moment-là, tout ce qui est bactéries digestives ont été complètement modifiées. Toute la flore a été contrariée et la digestion se fait très mal. Alors, c'est des gens qui viennent nous voir. Alors, les pauvres, ils sont ballonnés, ils ont l'impression d'être enceintes de 6 mois. Quand vous les percutez, s'il y a ce qu'on appelle un hypertympanisme, c'est-à-dire c'est rempli de flotte, enfin rempli d'air là-dedans. Il faut faire attention à ce qu'il faut manger. Il y a des régimes à faire, alors qu'on appelle éviter les FODMAPs. Hein, alors ça, vous trouvez ça sur Internet. Ce sont des aliments, c'est long comme un jour sans pain. Quand on a supprimé les FODMAPs, ben, tout compte fait, il reste plus grand-chose à manger. Hein. Mais c'est à ce prix-là qu'on arrive à plus avoir mal au ventre. Enfin, c'est comme des situations qui sont dramatiques. Ce sont des gens qui consultent, qui se font faire des coloscopies à répétition. On ne trouve pas de solution. Et c'est des gens qui sont vraiment en réelle souffrance. Hein. La colopathie, c'est pas très grave. Le côlon irritable, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment sacrément emmerdant, quoi. Après, ce qu'on peut rencontrer également, ce sont des douleurs abdominales avec des émissions de sang. Alors là, il ne faut pas rigoler. Il faut aller voir tout de suite. Le Dès qu'il sang, y a où du ça, sang docteur? dans les selles. Dans les selles, il faut aller voir tout de suite. Passé 50 ans, on fait également, enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça en Israël, mais en France, il y a un test de dépistage qu'on appelle l'hémoculte, où on demande tous les 2 ans aux gens, à tout le monde, tous les gens de plus de 50 ans, de faire un prélèvement de selles. Il envoie ça par la poste et on va rechercher ce qu'on appelle du sang occulte. C'est du sang qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est du sang digéré, qui peut montrer non pas un cancer, mais un polype qui saigne. Et les polypes, malheureusement, ils ont la mauvaise idée de pouvoir se dégrader en cancer du côlon. Donc là, il faut faire aussi très, très, très attention. Et puis, les autres types de douleurs abdominales qu'on peut rencontrer, c'est, bon, évidemment, je vous dis les cancers, les ovaires également. Alors là aussi, c'est dramatique, hein, les cancers des ovaires, on en voit malheureusement de plus en plus avec des douleurs abdominales qui sont assez violentes. Et puis, encore une fois, il faut se méfier des douleurs abdominales qui surviennent brutalement avec un arrêt du transit, un arrêt des gaz. Ça peut être une occlusion. C'est-à-dire que c'est l'intestin qui s'enroule sur lui-même et qui se bloque. Donc il n'y a plus de sel, plus de gaz, plus rien du tout. À l'auscultation, quand on ausculte un ventre, il y a un silence auscultatoire, c'est terrible. Hein. On n'entend plus rien, plus un borborygme. Et là, il faut courir vite aussi. Hein. Là, il faut aller aussi aux urgences assez rapidement. Et l'autre cas assez fréquent de douleur abdominale, c'est ce qu'on appelle la diverticulite sigmoïdienne. C'est que la partie terminale de l'intestin qui s'appelle le sigmoïde, souvent, chez quasiment tout le monde passé 40-45 ans, vous avez des petites vernies, c'est-à-dire comme des doigts de gants. Vous avez des gants, vous avez des petits doigts de gants qui poussent au niveau de la paroi abdominale. Et à ce moment-là, il faut faire attention à ne pas manger d'aliments avec des petits pépins, des kiwis, des framboises, des groseilles, des crudités, parce que ça peut se stocker dans ce petit doigt de gant, ça peut s'infecter, ça donne une cholécystite, une sigmoïdite, pardon. C'est pas très grave, mais c'est super douloureux. Ça fait très, 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 très mal. Parfois, on est obligé de taper dans les opioïdes, enfin les morphiniques, pour enlever la douleur tellement elle est violente. Bon, après, le traitement, c'est la diète, boire beaucoup d'eau, et si ça passe pas, les antibiotiques. Donc, docteur Epstein, pour nos téléspectateurs, si je veux vraiment résumer en une phrase toute la liste, encore une fois non exhaustive, de diagnostics que vous nous avez évoqués, le point le plus important, c'est encore une fois la notion d'apparition brutale de douleur qui fait diriger vers un diagnostic qui doit être pris en charge plus rapidement et donc éventuellement se diriger plus rapidement vers l'hôpital. Encore une fois, Absolument. tout ce qui est plus frustre peut être pris en charge en consultation de ville chez le médecin Absolument. généraliste qui fera le bilan qui s'impose. Il nous reste encore quelques minutes pour un autre symptôme. Il me reste encore quelques abaisse-langue. Je te suggère d'en choisir un. Les douleurs dans les jambes.
Ah bah dis donc, sans le vouloir, on descend, hein, la tête, on le descend, thorax, le ventre, il reste les jambes. On a zappé un peu ce qui se passe entre, parce qu'il peut y avoir des douleurs à ce niveau-là aussi. Hein, hein, la tension testiculaire, c'est pas terrible. Ça fera peut-être le sujet d'une autre émission, allez savoir. Alors la douleur dans les jambes, bon ça aussi c'est hyper classique. Docteur, j'ai mal les jambes, ça j'ai des fourmis, j'ai les jambes qui sont chaudes. Ah bon, alors ça va être vite réglé parce que dans l'écrasante majorité des cas, c'est veineux, c'est des mauvaises circulations veineuses. Passé alors à un certain âge, enfin quoique même s'il n'y a pas vraiment d'âge, la circulation veineuse ne se fait pas correctement. Tout simplement à cause de ça, regardez. Ça c'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est-à-dire que votre sang, il descend avec les artères vers le bas, après il faut qu'il remonte. Donc il faut lutter contre la pesanteur. Pas facile, donc il y a des tas de mécanismes qui se mettent en marche. Le fait de marcher, c'est comme une éponge qui propulse le sang vers le haut. Vous avez un système de valves au niveau des veines, comme ça le sang remonte par étage. Il y a l'aspiration cardiaque également qui attire le sang vers le haut. Mais parfois, il y a des petites valvules qui ne sont pas très efficaces. Et à ce moment-là, le sang stagne, les jambes gonflent, on a des impatiences dans les jambes, des douleurs dans les jambes. Alors, c'est très très fréquent. Le traitement est très très simple, c'est de mettre des contentions, soit des mi-bas de contention, soit des bas de contention, froides, surélever un peu les jambes, et puis marcher. Marcher, marcher, marcher. Maintenant, il y a une autre douleur dans les jambes à laquelle il faut faire attention, c'est la douleur qui survient à l'effort. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir en disant « voilà, je fais ma balade tous les jours avec mon chien », mais au bout de 100 mètres, 200 mètres, je commence à avoir comme un coup de poignard dans le mollet et qui m'oblige à arrêter. Et dès que je m'arrête de marcher, j'ai plus mal. Ça, c'est quelque chose de plus embêtant. C'est ce qu'on appelle l'artérite. Alors, l'artérite, c'est quand une artère se bouche et dès qu'on la sollicite, c'est-à-dire dès qu'on sollicite le muscle, donc le muscle a besoin de plus d'oxygène, mais comme l'artère est bouchée, il n'y a plus d'oxygène et plus de sang qui vient au niveau du muscle et il se manifeste par une douleur dans le mollet ou dans la cuisse. Qu'on appelle la claudication. Alors après, on va définir, c'est sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50, 100 mètres, etc. Mais là, il faut consulter, il faut faire un Doppler pour voir si ce n'est pas une artère qui se bouche. Et à ce moment-là, envisager un geste chirurgical pour déboucher cette artère. Parce qu'après, ça peut être problématique. Hein. Si l'artère se bouche complètement, les orteils deviennent noirs, ils tombent tout seuls. Enfin, ça fait des histoires. Quoi. Docteur Epstein, je vais faire un saut dans la précédente émission où on a parlé des douleurs dans la poitrine et de l'essoufflement. Et vous avez évoqué tout au long de cette émission l'embolie pulmonaire. Et vous avez dit qu'il y avait un rapport avec des caillots au niveau des veines, des jambes, des phlébites. On est en plein dans le symptôme des douleurs. Alors comment différencier un problème de retour veineux, une phlébite, un caillot potentiellement présent? Alors, l'artérite, c'est fastoche. L'artérite, c'est facile. Vous marchez 10, 15, 20, 30, 40, 50 mètres, coup de poignard dans le mollet ou dans la cuisse, vous arrêtez de marcher, la douleur, elle disparaît. Ça, c'est quand même très très typique. Maintenant, la phlébite, alors là, ça, c'est encore plus compliqué. Parce que la phlébite, classiquement, c'est une douleur dans le mollet, qui ne survient pas à l'effort, hein, qui est là tout le temps, le mollet qui double ou qui triple de volume, qui est douloureux, très douloureux à la palpation. Parfois, quand c'est une phlébite périphérique, on peut sentir le cordon veineux qui est complètement induré avec un caillot. Maintenant, si c'est une phlébite interne à l'intérieur du mollet, alors là, vous ne le sentez pas. Hein. Donc, il va falloir aller faire un Doppler. Au moindre doute, déjà, avant toute chose, on met le patient sous anticoagulant. C'est pas grave, même s'il prend 3-4 jours d'anticoagulants pour rien, il va pas se passer grand-chose. Alors, il y a des protocoles maintenant avec des nouveaux. Avant, on faisait des piqûres dans le ventre, bon, c'était quand même pas terrible. Maintenant, il y a des nouveaux protocoles avec ce qu'on appelle les AOD, ce sont les anticoagulants oraux directs qui sont très facilement maniables. Donc, on commence par mettre la personne sous anticoagulant et après, on a le temps tranquillement de prévoir le Doppler. Parce que le risque, comme on l'a dit précédemment, c'est que ce caillot se détache et qu'un petit morceau remonte dans le poumon, et là, c'est une embolie pulmonaire, et là, c'est une autre paire de manches. Donc, quelqu'un qui a mal au mollet, qui a doublé de volume, il faut consulter, et il faut que le médecin ait le réflexe, systématiquement, à titre préventif, de le mettre sous anticoagulant, avant de faire le Doppler. Si le Doppler ne montre pas de phlébite, on peut l'arrêter. Est-ce qu'il y a un âge particulier à partir duquel... Non. Moi, j'ai vu des phlébites à 18 ans, chez les gamines qui prenaient la pilule et qui fumaient, parce que c'est un énorme facteur de risque. Puis les phlébites chez les gens plus âgés. Les facteurs de risque de la phlébite, c'est les longs trajets, en avion, en voiture, en train.
chez les gens qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire qui ont des veines déjà qui sont pas en très bon état avec des varices. Là, à ce moment-là, ce sont des gens qui font plus de phlébite que d'autres. Et puis, vous avez des gens qui ont des troubles de la coagulation, qui a un déficit de certaines protéines. À ce moment-là, bon, on a le temps de faire un bilan pour savoir si c'est une phlébite qui est arrivée comme ça, comme on dit en médecine sine materia, c'est-à-dire sans cause, ou alors si c'est une phlébite qui est la conséquence d'un trouble de la coagulation, qui sont très fréquents, comme par exemple le déficit en facteur 5 de Leiden, enfin, genre de trucs. C'est très, très, très courant. Ce sont des maladies génétiques qui sont très courantes. Et puis, dont le traitement est simple, hein, c'est les anticoagulants à vie. Docteur Herbstein, on arrive déjà au bout du temps qui nous a été imparti pour cette émission. J'ai beaucoup apprécié en ce qui me concerne cette façon d'aborder les différents symptômes. Il nous reste encore pas mal d'abeslang et donc pas mal de sujets. Je te propose, Aurore, qu'on continue un petit peu sur cette lancée pour la prochaine émission. Et n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à nous envoyer également vos sujets, vos symptômes que vous souhaitez voir développés ici en plateau et avec le docteur Herbstein. Comme à chaque fois, docteur Herbstein, merci beaucoup. Merci pour vos Merci à lumières. vous. Merci pour vos explications toujours brillantes et surtout extrêmement claires. Aurore, Merci, docteur. merci à toi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Audio de Doc avec de nouveau tout plein de symptômes. À très vite. À bientôt.